Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul Chine. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je crois. Donc, la commande de base était pas prévue. Donc, c'est une vidéo bonus. Voilà, comme d'hab. J'ai juste commandé pour un article cheveux. Puisque là, c'est principalement des fringues et des articles cheveux. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Que Manon a commandé, que du coup j'ai eu envie de commander. Et du coup j'ai rajouté plein de choses. Voilà. Bref, vous connaissez la chanson. Hein. Donc, on va commencer tout de suite, comme ça, vidéo rapide, vidéo courte, ça change un peu. Donc j'ai d'abord recommandé deux backups du baume démaquillant au Neroli. Voilà, je l'ai testé suite au conseil d'Emmy, puisqu'elle l'aime beaucoup et qu'on a à peu près les mêmes goûts pour les produits démaquillants. Comme pour beaucoup de choses, mais beaucoup pour les baumes démaquillants. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, mais je crois que vous connaissez le principe. J'en ai pris deux, je l'aime beaucoup. Il revient peut-être un tout petit peu plus cher que le Beauty Bay, mais il est plus facile à se procurer, puisque voilà, commande Chine chez moi, hein, on commence à savoir. Donc voilà, de temps en temps j'en ajoute un ou deux, comme ça j'ai mon stock et je tombe pas à court. Le Beauty Bay, il y a d'office des frais de port, mais il y a une plus grosse contenance. Voilà. Par contre, celui-ci sent meilleur et un peu moins compact que Beauty Bay. Voilà. Et donc le produit du délit, le coupable. Donc moi, bien sûr, j'en ai pris deux. Elle en a commandé qu'un, mais moi, j'en ai pris deux. Vous connaissez mon obsession de la symétrie. C'est un clip cheveux, tout simple, comme ça, avec des étoiles et des perles. Voilà. C'est juste pour ça que j'avais commandé, de base. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. C'est très joli. Et ça, dans les cheveux, maman, que ça va être beau. Mais j'étais obligée d'en prendre deux pour en mettre un de chaque côté. Hein. On est d'accord. Sinon, c'est pas beau, s'il n'y a pas de symétrie. Donc, là, le deuxième qui est tout emmêlé. Mais je pense que je vais les mettre pour tourner demain. Avec certainement un des fringues que j'ai acheté parce que c'est trop. Et ça, vous faites. Soit vous le laissez pondre comme ça, soit vous faites des tresses avec. Ça peut être très joli. Voilà. Donc bien sûr, je vous affiche les prix avec la promo que j'ai eue. Donc ils étaient déjà soldés. J'avais 15% en plus. Donc voilà, mais et je vous mets les liens en barre d'infos comme d'hab. Alors, j'ai deux produits manquants, je suis un peu deg, il faut que je vois sur le site vraiment comment faire, puisque comme c'était des produits soldés, je peux pas faire de retour, et pour les contacter, ils me mettent pas l'accès à ces deux produits-là, donc c'est deux fois le même. En fait, j'ai commandé deux fois un lot de... Du coup, pour les cheveux, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Je les ai pris en noir et en argent, et j'ai reçu les deux noirs, mais j'ai pas reçu les deux argentés. Donc, je vais déjà vous montrer les noirs. Je vous mets quand même le lien des deux. Enfin, de toute façon, c'est le même. Donc, voilà. Donc, si vous voulez choisir. Ils sont toujours dispo. J'ai été vérifié. Donc, il va falloir que je contacte Chine juste après. Comme à chaque fois, vous avez ce petit truc-là que moi, j'utilise absolument pas. Dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 modèles. Dont un... Ah non, il y en a 5. Je crois que... Ben non, c'est pas tous par 5. Mais il y en a qui en a moins. Mais j'ai vraiment craqué sur certains. Donc... D'abord, il y a ceci. Voilà, c'est des petits anneaux tressés. Il fait un peu entrelacés. Je sais pas. Ils sont vraiment canons. Il y a ceux-ci qui sont très beaux. Voilà, c'est des gros. J'espère juste que sur mes cheveux. Ah oui, avec le brillant, je pense que ça se verra bien. Ça fait un peu effet bébé corbeille à papier, mais voilà. Alors, il y a ceux-ci, j'ai essayé d'en montrer un, qui sont trois petits anneaux comme ça. Voilà, faut que j'arrête avec ces trucs-là, mais comme ça, j'ai pu... Alors, les basiques, ça c'est ceux dont tous les trucs, vous avez le même modèle, petit tube comme ça croisé. Vous avez ceux-ci qui sont assez basiques aussi. Voilà, je vous les montre dans les plastiques hein, parce que sinon je vais en avoir partout. Et ceux-ci qui sont vraiment très beaux avec des petites flowers. C'est très joli. Voilà.
Donc, j'en ai pris deux. Comme ça m'en fait tout plein. Et je peux en mettre plein mes cheveux. Alors, j'ai pris ceci. C'est la première fois que j'en achète un. C'est une pince clips comme ça. Mais pour faire une demi-queue bien haute et en déco. Vous voyez, vous pouvez même l'orienter, c'est un peu con parce qu'on voit après du coup la pince. Mais bon, aïe, 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 je me coince les cheveux dedans. Mais je l'ai trouvé très joli, donc voilà. Donc c'est un rond comme ça. Et hop. Et même avec une queue de cheval, hein, si vous l'habillez un peu votre queue de cheval, c'est très joli. Alors encore un truc que ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. C'est sa crête. Donc là, c'est un lot de. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tous des à effet dans les cheveux. On va les tester. Hein. Je vais enlever mes barrettes. Aïe. Je vais les mettre un peu en arrière. Alors, vous avez le premier comme ça qui est avec des ressorts. Donc, à mon avis, il faut faire gaffe. Ça doit arracher les cheveux. Ouais, là ça fait rien de particulier. Donc, ça va, il s'enlève assez facilement. Vous avez celui-ci avec des crans, comme ça. Alors je ne sais pas du tout dans quel sens le mettre. Comme ça, je pense. Hein. Donc ça fait un effet cranté. Ouais, c'est joli. Et si je le mets dans l'autre sens, ça donne quoi? J'essaye hein, parce que je sais pas vraiment. Non, dans ce sens-là, c'est moins beau. Mais dans l'autre sens, c'est joli. Vous avez celui-ci avec des zigzags. Alors ça, j'adore. Et pareil, hein, ça sépare un peu les mèches devant, sur le front. J'aime beaucoup. Vous avez celui-ci qui est tout basique. Je sais pas si vous avez connu. Voilà, c'était on avait ça quand moi j'étais gosse. Donc là, ça fait normalement plein de petits traits. Ouais. Il fait un peu mal derrière les oreilles. Il est très serré celui-là. Très court et très serré. Comme ça, c'est mieux. C'est très joli. Ah, ça peigne en même temps. Vous avez celui-ci avec des petites vaguelettes. Donc, je vous mets sur mon front pour que vous voyez. Ouh, j'aime bien. Mamie est contente. Et celui-ci encore, c'est encore des petits ressorts, mais vous voyez qu'ils font des petits zigzags comme ça, du bizarre. C'est bizarre. Aïe, oh, il pique sur les côtés celui-là. Et ouais, il fait rien de particulier par rapport à l'autre. Mais voilà. Alors. Je vais mettre celui avec les petites vaguettes. J'aime bien. Voilà, c'est très joli. Je crois que c'est mon préféré. Donc, on va pouvoir passer aux fringues. J'ai que 4 pièces. Donc, vous voyez, j'ai été raisonnable quand même. Hein. J'ai pas abusé. Bon, il manque 2 articles. Alors, je me suis d'abord pris un corsaire camo. Voilà, je voulais un corsaire. J'en ai plus à ma taille. Hein. Donc, je m'en suis pris un. Là, j'ai pris en M quand même. Voilà, tout ce qui est le plus basique. Hein. Donc, il arrive. Au mollet, quoi. Voilà. Il va bien, sauf qu'on voit un petit peu la transparence de ma culotte rose fluo. Donc, culotte noire en dessous, ça sera mieux, je pense. Mais voilà, il va très bien. Et ça, pour voilà, quand vous devez sortir et qu'il fait super chaud, c'est bien pratique. Coup de cœur. Mais alors, big coup de cœur sur ce pull. Coup de cœur. Avec les manches. Les épaules comme ça j'adore aussi. Et les manches en dentelle. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais il a vraiment. C'est une matière couplée comme ça. J'adore. Donc, ça, même pour l'automne, il va être topissime. Il est splendide. J'ai craqué dessus. Voilà, complètement craqué dessus. Il est vraiment très beau. Et je les ai pris en S, Léo, parce que. Ouais. Il n'y avait plus que le S de dispo. Celui-ci aussi, j'ai beaucoup aimé, mais ça ressemble beaucoup à celui que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, là, moi-même. Avec des meilleures finitions, on est d'accord. Donc, c'est un top noir asymétrique, comme ça, avec un volant qui revient comme ça sur l'épaule et en dessous du bras de l'autre côté.
une petite bretelle que moi j'ai rajoutée également sur l'autre. Le tulle, c'est avec des petits pois. J'adore ça, ça fait très vintage, très années 60, 50 même peut-être, je ne sais pas dire, mais très classe quoi. J'aime beaucoup le tulle, en plus il est bien brodé et tout. J'aime bien, mais franchement j'adore. Il est très beau, il fait très classe. J'adore, je pense que je vais le mettre pour filmer demain aussi. Voilà. Et enfin, j'avais complètement craqué sur cette jupe, donc elle ressemble à mon pyjama que j'ai acheté. Enfin, c'est pas un pyjama que j'ai acheté à la base, c'est un ensemble leggings et t-shirt. Et là, c'est exactement le même tie and dye en robe. Voilà, c'est une robe droite, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est assez transparente, par contre. Hein, voilà, je pense pas que je la mettrai pour sortir, parce qu'à mon avis, on voit ma culotte et mon soutif, hein, dès que je suis au soleil. Mais voilà, j'aime beaucoup. Elle a une longueur longue. Ouais, je vais dire longue, surtout sur moi, parce que je suis rigueki, mais voilà, c'est une pièce robe à bretelles, mais pour traîner à la maison quand il fait super chaud, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais être à l'aise. Limite, pour pas qu'on voit en travers, je mets rien en dessous. Non, mais je rigole, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup, et j'adore ce tie and dye. Il y a la même dans un tie and dye un peu plus rose et mauve, et je pense que je vais me la prendre aussi. Oui, vous avez remarqué que c'est passion jupe, passion robe en ce moment. Mais maintenant que je peux en mettre sans être complexée, ben je ne me prive pas. Voilà. Donc voilà ce qui conclut ce haul. Vous voyez, il est rikiki. Mais je sais que vous aimez beaucoup quand je vous montre à chaque fois que j'achète quelque chose chez Shein. Donc je vous fais les hauls à chaque fois, même s'il n'y a pas grand-chose. Bon, je ne vais pas vous le faire pour deux pièces. Hein, là, à ce moment-là, je vous les montre en haut. Il ne faut pas déconner non plus. Je ne vais pas faire un truc pour deux ou trois pièces. Mais là, il y avait quand même pas mal de petites choses. Et je sais que tout ce qui est accessoires, cheveux et tout ça, vous aimez toujours quand je fais des jolies découvertes. Donc voilà. Mais de base, je commandais pour ça. Donc c'est des petites étoiles qui m'ont coûté très cher à cause de Manon. Hein. Elles sont très belles. Et les serre-têtes, gros coup de cœur sur les serre-têtes. J'ai hâte de tester les petites décos aussi. Et voilà, les baumes, des maquillages, je vous les conseille à 1000%. Et gros coup de cœur sur tous les fringues. Donc, I'm bien contente. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, justement, s'il y a des articles qui vous intéressent de ce haul. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain avec le concours pour les 10 ans de la chaîne. Il était temps, hein, je suis un peu à la bourre. Mais oui, il arrive. Voilà, c'est demain à 17h30. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, puisque c'est réservé aux abonnés. Et d'activer la petite cloche aussi, comme ça vous serez averti de la sortie de la vidéo concours. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.